Allô, donc on se retrouve pour un tuto effet pierre. Donc voici l'effet que je vais vous présenter en tuto. Pour ce, il va nous falloir uniquement deux crayons. C'est hyper simple à réaliser, mais je trouve que ça fait vraiment un super bel effet. Donc on va utiliser le 70% gris froid PC 1065 et le 10% gris froid PC 1059. C'est bien sûr les Prismacolor. Donc c'est assez simple, vous faites le contour avec le gris foncé et vous dégradez légèrement la couleur. Bon, après ici, il y a beaucoup de zones qui sont trop petites pour vraiment dégrader les couleurs. Donc je fais uniquement les contours. Et ensuite, il reste un tout petit morceau blanc que je vais venir estomper avec mon gris clair. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Et je vais continuer comme ça sur toutes les pierres, juste en faisant mes contours, puis en estompant l'intérieur de la pierre avec mon gris clair. C'est vraiment très simple et je trouve que l'effet est plutôt sympa. Il y avait moyen également de travailler encore plus la pierre, mais là, vu que ce n'est pas uniquement un mur de pierre, c'est un mur en fond d'image, je trouvais ça plutôt sympa de le travailler assez légèrement. Donc là, vous voyez, il y a une partie un petit peu plus grosse, donc bah, c'est tout simple, on dégrade un petit peu, on met un petit peu de couleur dedans. Et puis après, le blanc, pas le blanc, le gris clair va faire le reste. Donc là, on est sur une grosse pierre, enfin un gros morceau de pierre. Donc on fait bien le contour. On va dégrader un petit peu, voilà, en appuyant légèrement sur son crayon. Vous voyez vraiment, il n'y a rien du tout de compliqué, c'est hyper simple à réaliser. Donc maintenant, je prends le blanc et je repasse partout. Alors quand j'ai des zones comme ça, j'aime bien travailler en cercle. De toute façon, je travaille très souvent en petit cercle quand je colorie. Et du coup, voilà, vous étalez, vous prenez l'extérieur et en tournant, bah, vous amenez un petit peu de pigment à l'intérieur de la zone blanche en fait. Voilà, ce sera tout. C'est tout ce qu'il y a à faire pour faire des belles pierres comme ça. C'est vraiment très très simple et j'adore l'effet que ça donne.
Voilà, ce mini tuto est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout, portez-vous bien. Bye bye.